Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Bonjour, mon nom est Dina. Je m'appelle Dina. Salut si vous êtes nouveau. Et rebonjour si vous êtes déjà abonné. Aujourd'hui, on est sur un nouvel épisode de Tall Girl Series où je fais des hauls et j'essaie des habits que j'ai achetés en ligne juste devant vous. Et aujourd'hui, la boutique que j'ai choisie, c'est Shane. Shane, c'est une boutique en ligne. On va dire en ligne, ouais, c'est une boutique mostly online. Ils vendent des habits super affordable, pas cher. Et bon, je vais essayer des habits. Et vu que là, je suis sur le point d'aller à Cancun et espérons avoir un travail bientôt, j'ai acheté des habits de vacances et des habits professionnels, on va dire. Donc là, je vais essayer les habits devant vous et vous allez me dire ce que vous en pensez. You guys, je suis vraiment désolée de la longue attente. J'étais à Dakar pendant 2 mois et demi. Donc, c'était pas évident pour moi de filmer vu que j'avais pas mon équipement. Donc là, je vais essayer de filmer constamment et de vous donner des vidéos presque, je sais pas, au moins une fois par mois. Si on fait plus, ok, mais au moins une fois par mois. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je vais commencer à faire mes vidéos en français. La plupart des vidéos, en tout cas, elles seront en français. Donc, c'est pour que ma communauté sénégalaise puisse comprendre. And yeah, j'espère que vous allez aimer ou apprécier, je sais pas. Ouais, donc là, let's get started, on va commencer. Boîte, elle ressemble à ça. Et voici le premier habit que j'ai reçu. C'est supposé être un pantalon de travail, on va dire. Pantalon bidet, check it away. Oh my god. What is this now? Bon, on essaye. Déjà, pantalon bidet. D'autrement. Bon, je sais pas. Si ça montait déjà un peu, j'allais dire ok. Mais là, regardez le pantalon. Like, je peux pas porter ça. Et le pantalon, normalement, il est supposé être taille haute. Je vais mettre la photo à côté. Bah tiens, this don't fit me. Déjà, c'est court. Et il me voit pas. So, yeah. On enlève ça. On va retourner ça vite fait, bien fait. J'ai acheté une robe blanche, je crois. Ouais. Et ce que j'aime bien dans Shane, c'est que quand ils envoient des trucs, les habits, c'est toujours dans. C'est bien emballé. Hopefully it fits me. Donc, ça. C'est plutôt une robe pour Cancun. Ce que j'aime bien sur la robe, c'est qu'elle est élastique, elle est super confortable. Et voilà, je sais pas si vous pouvez voir, mais la robe elle ressemble à ça. Like, I don't think it does. C'est pas trop, je crois pas que c'est too much. Oh yeah! Genre, là ça fait la fente, on va dire. But yeah. I'll wear this in Cancun. J'ai acheté un waist thingy. Une gaine, comme on dit, je sais pas. A waist trainer. J'ai acheté un waist trainer. Comme ça, quand je vais porter mes robes, je serai snatch. Mais je vais porter en bas d'une robe comme ça, vous pourrez voir à quoi ça va. Je porte pas ça comme ça. Oh là là. Bon, essayons pour voir. Oh, mais peut-être ça fera l'affaire. Hein. Ouais, peut-être ça fera l'affaire. Parce que le haut, il était supposé faire ça. Et. Genre faire like a type of crossing or whatever. Et genre j'attache derrière je crois. Mais
is just too much. Bon, je sais pas à quoi ça ressemblait sur le mannequin, mais je crois pas que si j'avais vu ça comme ça, j'allais l'acheter. Donc, je sais pas, attendez, je vais regarder. Je suis trop bête en fait. J'ai porté le truc à l'envers. Ça, c'était supposé être devant, j'ai porté derrière. C'est pour ça que. It was doing too much. Donc là, je sais pas, même ici, là, je sais pas, I don't know if I would wear this. Peut-être quand je serai à Cancun, je vais porter ça. But yeah. Genre, I don't know. But the top is cute. Genre, si je porte avec un haut en bas, ça fait. Ouais. Le pantalon, je vais porter comme un pantalon court. De toute façon, rien ne me va. Donc voilà. I kind of like it. Donc, la fameuse robe verte. Let me fix this real quick. Donc, je sais pas. Je dois vraiment amener le miroir ici. Parce que là, je vois rien et je sais pas ce que je fais. Là, je viens de me voir dans le miroir. Like, I give myself Kim Kardashian vibes. Je me ressens trop à Kim Kardashian là. Non, j'ai menti. But whatever, genre. So, like. Genre, quand tu. Je sais pas, quand tu trucs pas trop, ça fait comme une robe. En fait, ça fait comme une robe avec un espace ici. Donc, je sais pas. Ça dépend de la personne et de ses préférences. Oh, moi, j'adore. C'est trop beau. Tu peux porter ça pour aller en soirée. Tu peux porter ça avec des baskets. C'est super cute. Je sais pas, j'aime bien la vie et même sans ça, j'aurais bien. Hold on. Bah moi j'aime bien la vie, c'est super cute. Je l'aurais porté sans ça ou avec, ça me dérange pas. Bah moi j'aime bien la vie de façon, je l'aurais porté sans. Ou avec, je sais pas, j'ai pas encore porté. Mais je crois bien que c'est juste pour donner les manches en fait. Donc si tu veux porter sans manches, tu peux le faire. Et super cute. Et avec manches aussi. Genre, je sais pas. Il y a une petite différence. And it's just, genre, c'est juste beaucoup plus solo, on va dire. Genre, beaucoup plus discret. Yeah, genre je l'aurais porté ça ou avec moche, it doesn't matter, it's still cute, genre it's cute. Et genre ça va, déjà moi je savais pas, genre j'avais pas vu ça, et la robe elle était carrément ouverte ici, donc j'ai fait ah, I'm not wearing this. Oh, voili voilou, et là t'attaches juste, and ça fait une jolie robe de plage ou une robe d'été. C'est super chou. I like it. Et là, t'as ta fente. Pépère. Et si tu veux pas que les gens voient ta fente, like you just. Alors tu marches juste doucement. And slowly. Mais à part ça, j'adore la robe. Genre, j'aurais aimé si c'était beaucoup plus. Un peu plus élastique. Ou un peu moins serré. Parce que je crois bien que j'avais pris. Le size, j'avais pris un large, donc je sais pas, peut-être que j'aurais dû prendre une taille au-dessus. But yeah, j'aime bien la robe. Alors, this is a super cute work top, surtout si je fais du braille. This is, genre c'est super chou pour aller au travail. Je sais pas trop avec les manches. Alors really know, genre j'aime pas trop les manches. But genre j'aime bien le truc du haut. This is cute. Le truc se ferme derrière. Et yeah, I would go to work like this. Et super cute. Et j'ai aussi acheté un sac. Ouais, le sac va avec ça, super. Mais ils n'ont pas les...
la languette en fait. Et aussi, c'est pas le même jaune, so no. But yeah, genre, this is the bag is super. Je le porterai bien avec, je sais pas, an all black outfit or something. Et je vais sûrement ajouter, je sais pas, des languettes argentées ou un truc du genre. But it's cute though. Genre, j'aime bien le sac. J'avais acheté ce haut pour aller au travail et je voulais le porter avec ça pour que ça aille ensemble. But, malheureusement, ça ne passe pas. Donc, this top is cute, it's very cute. Je crois même que je peux attacher ça. Et faire un peu plus professionnel. But I'm not. Genre, donc, this is how I'll go to work. Pas avec ce pantalon, bien sûr. Et là, il me reste un habit. J'irai sûrement au travail avec ce haut. Mais, not like this, mais genre, c'est juste pour montrer. Je vais sûrement porter un haut en bas, un haut noir. But this top is really cute, genre, si c'était pas juste, like, cleavage all up in here. Donc si c'était pas ça, this top is really cute et I would definitely wear this to go to work with my little skirt. Oh là là! Ben j'ai fini d'essayer les habits sur Shane. C'était un calvaire. La plupart des habits me vont. Il y a 3 habits qui ne me vont pas et j'ai pas pu les essayer en face de la caméra parce que I don't need y'all to see the clip but you film. C'est pas la première fois que je roule sur Shane et j'adore la plupart de leurs habits, c'est juste que parfois genre c'est genre un peu petit on va dire. La plupart des habits que j'ai acheté sur Shane, la qualité était parfaite et j'ai jamais eu de problème avec. C'est juste aujourd'hui avec la robe que j'ai essayé. La robe était magnifique façon genre j'allais la porter à Cancun. À Cancun c'est la robe, je vais la montrer ici. Quand j'ai voulu ouvrir the zip. How do you say zip in French? La fermeture. Quand j'ai voulu ouvrir la fermeture. ça s'est bloqué en fait et après j'ai dû déchirer pour pouvoir ouvrir, donc ça aussi je vais le rendre. J'ai acheté quelques petits trucs, j'ai acheté ces boucles d'oreilles là que je porte en ce moment, elles sont super mignonnes et j'ai toujours voulu acheter des boucles d'oreilles, les froufrou, donc ouais. Et j'ai aussi acheté 7 paires de boucles d'oreilles. Ouais, j'ai acheté 7 paires de boucles d'oreilles, c'est les petits triangles. Et j'ai aussi acheté le soutien en silicone pour que, je sais pas, quand je porte une robe par exemple comme ça, j'ai pas besoin de porter un soutien parce que genre les languettes elles sont assez petites, donc si je porte ça, il y a l'adhésif derrière, ça va pas, j'aurai pas besoin de porter un soutien. Donc espérons que ça va marcher, je sais pas si ça va marcher mais j'essaierai. Et j'ai acheté le waist trainer, ce petit sac, this cute bag, mais je sais pas si c'était supposé venir avec la bandoulière, mais c'est pas là. But I'll rock this, genre je porterai sûrement ce sac comme ça, genre ça me dérange pas, et c'est super cute, genre c'est super mignon. Et le reste, genre j'ai acheté like des lingerie, you feel me? Mais ça c'est pas pour les moins de 18 ans, donc allez vous coucher. So, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez en bas dans les commentaires quelle autre boutique je peux essayer. Et si vous avez des boutiques pour des filles de grande taille, vous pouvez aussi me faire savoir dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de commenter. And until then, à la prochaine. Bye! Ma carte de crédit, photo Snapchat du lundi au lundi. Elle est dans son délire, elle même quand il y a la wifi.